70 millions de degrés. Oui. Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui. Une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobile home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition? Mort mystérieuse? Légende urbaine qui deviennent réalité? Et écoute ça. La plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Hein, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez. Je crois pas à ce genre d'annerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas. La propriété d'un certain Thomas Zen. D'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Intéressant, du coup on en apprend beaucoup plus. Et coucou Herpo, je sais pas si je te l'ai déjà dit, je vais voir qui flanche. Venez avec moi, je vous conduis au mobile home de Rose. Comment ça va, Herpo? Comment ça va bien? J'enlève mes cheveux. Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai lancé complètement à l'arrache sans rien préparer du tout. Écoutez, c'est du travail, moi. Faut bien s'occuper de cet endroit. Ouais, attends, une seconde, mon petit pote. Désolé hein, pour le petit. Oh non, je le sais comme ça. Juste 30 secondes, désolé. Oh, désolé. Voilà, tac. Ouais, bon, ça va bof aussi, c'est pas top. C'est pas top. Mais bon. Bon, allez, continuons. Perdre votre temps. Vous voyez les maintenant ou pas? J'ai assez perdu mon temps aussi. Donc, du coup, on a appris que, du coup, sur l'île et tout, machin truc là, il y aurait un écrivain avec la vieille sorcière. La vieille sorcière. Qui arrive à contrôler les gens et tout. Ça fait peur quand même. Allez, allons-y. Ah, j'ai rien dit en fait, il boite, j'allais dire putain, tu te mènes le cul, enfoiré. Mais... Oula, c'est quoi ce bateau défoncé, tout défoncé? Ah ouais, c'est délirant. C'était là, le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du mal que ça écrase pas un des mobilhomes.
Délire. Délire, Terence. Où est-ce que tu m'emmènes? Où est-ce que tu m'emmènes, mec? Il n'y a plus de caravane après. Faut passer par la porte de derrière. Sinon, tu sais, c'est beaucoup plus cordial. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de Enfin bref, Al. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? Elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Un bout de conserve. Non mais attends, elle habite où Elle habite pas dans une poubelle? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Coucou Lifa! Poc shampooing stops. D'accord. Ça va-t-il? Ok. Ah d'accord. Ok, on a fait le tour parce qu'il y a le bateau. Mobilhome de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler, vieux. Allô. Oui, oui, c'est l'épisode 3. Allons lui parler. Sachant qu'elle est possédée en plus. Bienvenue au... Oh... Ça alors... Monsieur Wake. Ah putain, ouais, ça se voit son nom. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Oh... Oh oui. Oui? Entrez donc. Ça pue du cul. Hey, c'est vraiment délicieux, hein? Rose. Oui? Mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. Je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, c'est... Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais. Al. Al. Oh. Oh fuck, le café était drogué. Qu'est-ce que... Fallait s'y attendre. Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir, vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. Putain. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Oh putain. Remettez-vous au travail. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice.
Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Ah, ça craint du cul, hein. Ça craint. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Odir Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Du café ? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. La pauvre. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour ? Merci et bonne journée. À bientôt, j'espère. Barry était dans les vapes. Il était bien trop lourd à porter. Ok, donc je le laisse ici, quoi. Mérite d'être mieux payé. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Page de manuscrit. Monsieur Randolph appréciait Rose, son gentil sourire, le fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ce qu'elle faisait dans son mobilhome ne le regardait pas, mais ses étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte, ne l'inspiraient pas, et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après l'heure du coucher de Rose. Randolph prit son téléphone et appela le bureau du shérif. Oh merde, le shérif vient s'en mêler. Ah putain, fallait que j'aille au bureau du shérif, d'ailleurs. Il y avait un mec du FBI qui m'attendait. Elle était pas là cette radio tout à l'heure. Je peux pas l'allumer en plus. Je vais peut-être l'allumer par ici. Ah. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Et je peux vous dire que le temps se calme. C'est à des nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler. Plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, plonger dans mes draps et dans mes... Un thermos de café là-bas. Interaction avec le bateau. Peut-être quelque chose derrière. J'ai pas ma lampe torche, j'ai pas de flingue. Si je me fais attaquer, je suis dans la merde. Il y a un bobis là-bas. On va aller voir. Ah bah c'est l'autre qui boite là. Il n'y avait pas d'autres trucs à choper, apparemment non. Oh, vous allez le payer cette fois. Vous allez le payer ? J'ai rien fait. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale. FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ma part. Oh putain. J'ai rien fait. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question. Merci Arpo, chouchou, bon après-midi. Ah d'accord. Échapper à la police. Eh, cours. Ah putain, maintenant je me retrouve dans Prison Break. Ah ça va, ils sont loin. Putain, il y a des flics là aussi. Hélicoptère et tout, mais j'ai rien fait. Arrêtez.
arrêtez de fuir! Il est là! Oh, vous m'avez pas vu. Ok, les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là. Oh, bon sang. Putain, merde. Merde. Oh, le con! Putain, il tire à vue, c'est con. Bon sang, où est-ce qu'il est? Il s'est échappé. Soyez vigilants. J'ai par là, apparemment. Après les ombres, maintenant c'est la police, quoi. Bon, c'est un mec. Ouais, mais il me tire dessus. Si je me rends, ils vont me descendre. Il a filé. Allez, les gars, il faut lui couper la route. Une page de manuscrit. Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ses nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux. Ça se passe. Rambo. Moi, je vais me faire attaquer par des ombres maintenant. J'ai pas de flingue, j'ai rien. Putain, ils arrivent. Oh fuck. Rose ignorait comment l'étrange vieille dame avait pu faire pour entrer dans son mobilhome, et elle avait l'air malsaine. La femme montra ses dents dans ce qui ressemblait à un sourire et passa le doigt sur la joue de Rose. « Jolie, » dit-elle. Rose eut l'impression soudaine de s'endormir, mais ses genoux ne flanchèrent pas. La vieille femme lui murmura des paroles glaciales à l'oreille. Contrôle, c'est cool. Qui c'est qui a tiré? Fouillez la zone. Ils sont où? Attention. Je crois qu'ils se font attaquer par des méchants. Oh putain. Oh putain. Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Targe de flic, bah ouais, mais y'a rien dans les voitures. Y'a que dalle dans les voitures. Et genre, c'est moi qui a fait. Qui pète les voitures et tout. À main nue, j'envoie des voitures.
Non. Je déteste la forêt. Attaqué par des corbeaux. C'est lent. Oh, moi j'ai pu me méfier de l'hélicoptère avec. Par contre je crois qu'ils ont pété l'hélico. Là-haut. C'est quelque chose. Tiens, utiliser. Ok, pas grand chose, à part le crash de l'hélico. Ah. Thermos de café. Une radio. Milligan, Thornton, à vous, terminé. Oui, ici Thornton. Jens, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Milligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'était. Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan, terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ah ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. La veste en tweed, disculpe tout. Opio-opio-en. C'est le Franker Face. Ouais, mais il s'affiche pas sur le chat. Enfin, elle s'affiche pas sur le chat. Utiliser ça, non? Ouais, si je peux l'utiliser. Ça me sert à quelque chose. Ah, ouais, je peux pas. Distinguer au loin les lumières de la station de radio. Radio station. Ok. Enfin, j'ai là-bas, je suppose. Par ici. Mais non. Cours. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Ah oui, c'est vrai, mine de charbon, c'est le... C'est l'autre Bobby qui a enlevé ma femme. Il faut que j'aille voir. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Aïe! Ok, donc grille dangereuse. Un truc de lumière ici. Le projecteur n'était pas alimenté. Par hasard. Ah, on a le générateur ici. Parfait. Y'a quoi de beau là? Y'a que dalle!
Un thermos de café. On va allumer le générateur. Générateur qui bouge, mais... Utiliser. Traîner le projecteur. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer. Je répare cette merde. Donnez un coup de pied. Ah, réparation à coup de pied, ça marche très bien. Ça va-t-il ? Ouais, ça fait longtemps. Ah, c'est peut-être à cause de Better Twitch, ok. Non, il a pas oublié sa femme. Faut que j'aille justement voir le ravisseur à la mine de charbon. Donc bah, je m'y rends. Je m'y rends. Encore des ombres barrières. Oh là, putain, comment elles sont bien possédées celles-ci. Ah, une lampe torche. Merci mon dieu. Voilà. On a pu. J'ai pas tardé à avoir un pistolet, je suppose. Il me fallut reconnaître les grenades incapacitantes. C'était des armes idéales dans ma situation. Oh, grenades incapacitantes, quoi. 6 grenades. Équipe 1, ici le shérif Breaker. Oh, on va peut-être pas aller par ici. Ça, évidemment, il n'y a pas de pistolet. Ils sont mao. Police. Ok. J'en ai eu 3 avec une grenade. C'est déjà bien. Je vais attendre que ma lampe se recharge un peu. Oh putain. Aïe. J'ai esquivé pourtant. Mais mince. Oh putain, je... Borderlands 2, il est excellent. Excellent. Enfin, moi je suis un fan de la série, donc... Je ne pourrais te dire que du bien sur ce jeu. Vous savez, le droit de garder le silence. Ok, c'est bon, j'en ai 3, je me suis pas fait. Niquer. C'est ici les mecs. Putain, mais esquive un brutti. Ah, j'en ai eu 3, parfait. Y'a pas l'autre derrière ou? Non, c'est bon. 4 grenades il me reste. Ah, je vois la lumière. Elle va péter. Putain, j'ai beau esquiver parfois, ça n'esquive pas. Parce que c'est moi qui
joue comme une merde. C'est fort probable. Ah oui, des grenades. Et voici un autre appel. Énergiseur. Bienvenue sur KBFFM avec Pat Mayne. C'est Milk Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milk? Eh bien, j'habite près des mobile homes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Ah, c'est moi qui recherche les flics. Alors, par contre, me battre à la grenade, je suis pas fan du tout. Hop là. Ça, je vais utiliser deux grenades pour 4 bobies. J'aurais pu les avoir tous en même temps. Bah tant pis, hein. On continue par ce chemin-ci. Je crois que j'ai vu quelque chose bouger là-bas. Je suis pas sûr, mais... Oh, genre, je me prends une hache. Non, mais n'importe quoi. Trace jaune, ça veut dire qu'il y a un trésor dans le coin. Allez, esquive, abruti! Purée! Ah, j'ai pris cher. J'ai pris tellement cher. Les traces jaunes, faut que je trouve d'autres traces. Et si, c'est bon, je l'avais trouvé. Ah, mais c'est pas possible. On reste 4 grenades, s'il te plaît, quoi, laisse-moi. Ouais, mais fuck! Putain de... d'abruti. Oh, j'ai tellement pas de vie. Ah, je me fais... je me fasse taper une fois et je suis mort. Ce qu'il y a de beau là-dedans. Puis le lithium, fusée éclairante. 3 fusées éclairantes. Ça sera fusée éclairante. Ah, de la lumière. Dark. Ok. On va remettre un petit peu de vie. Ah, du coup, ça me débloque un point de contrôle. C'est cool. T'es résistant à la grenade, quoi. Ouais, ouais. Quand je les lance, je suis invincible à mes propres grenades. C'est cool. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des grenades. 3 grenades en plus, ça c'est cool. Je pensais que ça les tuerait les...
Les fusées éclairantes, au final, voilà. Ce qui les tue directement, c'est la grenade incapacitante. Je sais pas, voilà. Et pas de tortiller le cul. Ça, je flippe un peu moins. C'est un peu moins flippant qu'hier déjà. J'ai toujours pas de piste. Oh putain! Aïe! Oh putain, ce coup! Ah mon dieu! Il m'a enlevé la moitié de ma vie, ce coup. Tiens, une porte. Puis-je entrer par ici? Yes! Point de contrôle. J'espérais que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. Coucou Nangel, comment va? Je ne comprends pas. Un petit thermos de café, ça fait plaisir. Ok, c'est juste... Je vais me servir de la voiture. M'en aller, très loin d'ici. Alors, faut que je retrouve ma femme. Oula. Je peux pas passer. Je peux pas ouvrir. Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, monsieur Wake. J'ai pas le choix. Mais putain, je pensais trop que c'était un black, le mec de la radio là. Il a la voix de. Comment il s'appelle hein. Pour patienter, je vais vous le présenter rapidement. Bien sûr, vous le connaissez tous. L'autre qui joue dans Seven là. Wake est l'auteur de la célèbre série de romans policiers, Alex Kazay. Il s'essaie à présent un nouveau genre et travaille sur un roman d'horreur. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, monsieur Wake. T'as nulle part à aller, Dunbar! Écarte-toi de Main! Oh, gardons notre calme! Posez votre arme. On est en train d'ici, tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon! Nom de Dieu! Non, mais vous êtes complètement fou! Y'a un civil à l'intérieur! Il a abruti ce sergent-là. Cet adjoint sergent, je sais pas quoi. Du tueur sur les gens comme ça, c'est trop la fête. Moyen, toi, ça va bof aussi. J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine. Nightingale contempla les bois sombres par la fenêtre cassée du studio. Il se retourna, voulut quitter la pièce, mais Maine lui saisit le bras. « Jeune homme, vous m'avez presque tiré dessus. On ne tire pas comme ça sur les gens. Qu'est-ce qui vous prend ?» Nightingale se dégagea et sortit. La rage et l'humiliation lui brûlaient les joues. Je sais pas ce qu'il a dans le cul, l'adjoint Nightingale. Pourquoi il veut ma mort? Il sait même pas ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai rien fait. C'est le FBI. Le FBI et le Bobby débile. Ah, il est complètement attardé, quoi. Les flares, très bien. Ah, dis-moi qu'il y a un pistolet, s'il vous plaît, quoi. Oh, fuck. Démarrer ça tranquillou. Voilà. Ah putain, il y a un pistolet. Munition de fusil de chasse. J'ai pas de fusil de chasse. Il va avoir un fusil de chasse dans le coin. Peut-être plus tard.
S'il me donne des munitions, c'est pas pour rien. Parce que tu as une veste en tweed. Il déteste le tweed. Par où est-ce qu'il faut que j'aille déjà? Ouais, je suis venu. Attends. Je viens de par où? Je viens de par là, hein, c'est ça? Ouais, je vais par là. Ah, c'est bien mieux avec un flingue. Par contre, j'ai plus que 9 balles déjà. Ça fait chier. J'ai gardé mes grenades incapacitantes. Il n'y avait aucune raison pour que la compagnie d'électricité laisse des lumières ici. On aurait presque dit qu'elles étaient destinées à quelqu'un comme moi. Grenade incapacitante. Allumée. Ça, c'est cool. Ah, enfin, j'ai là-bas. Il n'y a rien d'autre que je pourrais choper. Ah! Un fusil de chasse et des munitions en plus. Oh putain! Aïe 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 aïe. Oh putain, je suis mort. Non. Ouf. Et bah heureusement que j'ai des grenades. Hein. Purée, comment. Je pensais pas qu'il y avait une entrée en fait ici. Je peux pas allumer la lumière ou. Ah, si je peux. Je me dépêche d'allumer toutes les lumières en fait, je pense. Ah, ça y est, il y en a une autre là-bas. Bon, en fait, c'est juste. J'aurais pu me monter sur le toit. Il est défoncé. Bon, en fait, c'est ça, hein, d'allumer les lumières. Il y a un truc là-bas. C'est la terre manuscrite. Le vaisseau tweet, c'est le mal. C'est l'incarnation du Satan pour le Bobby du FBI. Plus de flanc que d'habitants. On dit gala, machin truc, je sais pas quoi. Le moteur du bulldozer rugit en s'allumant. La boue et les pierres volèrent quand il se mit en branle. Il effondra le mur de béton et atterrit lourdement dans la cour. S'il avait été un animal, il aurait secoué la tête après l'impact, les yeux rivés sur moi, prêts à charger. Bien sûr, il n'avait ni tête ni yeux. Des ombres rampaient sur lui, le transformant en monstre. Il avança vers moi. Je suis pas d'accord de me faire attaquer par un bulldozer. Je suis contre l'attaque des bulldozers.
lampe là-bas qui clignote. Qu'est-ce donc ? Je suis pas fou, j'ai vu un truc qui clignote. Non, non. Je suis fou, j'ai halluciné. Atteignez le dépôt ferroviaire. Allons-y. Allez faire des bobbies. Thermos de café. Va y avoir des bobbies. J'aime pas les bobbies. Enfin, ça dépend lesquels. Sarah faisait confiance à son instinct qui lui disait que Nightingale était un salopard. Il pue Elvis, et pas seulement la vieille vinasse. C'était la façon dont il montrait son insigne, essayant d'en imposer, son regard lorsqu'il attendait des réponses. Où était Alan Wake ? C'était quoi cette histoire d'accident ? Où était sa femme ? Et surtout, pourquoi avait-elle laissé partir Wake ? Il n'avait pas voulu répondre à ces questions. Mission fédérale, c'est tout ce qu'il avait dit. Donc c'est un gros salaud, le Bobby du FBI, qui n'aime pas les vestes en tweed. Petit point de sauvegarde, parfait. Ouvrir, ramasser des piles, munitions, revolver, fusil de chasse et des piles encore. 10 balles de fusil, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah. Allô? C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Alice? Alice? Alan, Alan. J'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe. Alice, je suis là. Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité. Mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange. Mais elle m'avait appelé. What the fuck? Elle a dit des trucs bizarres. Elle est droguée. Tudum 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 tudum. Ah non. Une page de manuscrit. Hop là. Le tuyau se détacha de la structure en acier du pont. Enveloppé de ténèbres, il flottait dans l'air, remuant de façon convulsive. Un instant, je ne compris pas ce que je voyais. L'objet lourd fonça sur moi avec une force démentielle. Je me jetai pour l'éviter et il me rata d'un cheveu. Quand je rallumai ma lampe torche, le tuyau s'agita rageusement avant de foncer à nouveau vers moi. Je vais me faire attaquer par des tuyaux maintenant. C'est parce que le boule de... N'importe quoi. J'apercevais un pont ferroviaire un petit peu plus loin, et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive. J'espérais pouvoir y trouver une voiture. J'ai vu un autre truc, moi, j'ai vu une marque jaune. Ouais, ça devait bien avoir eu cette petite marque jaune. Des munitions! J'ai plein de munitions de revolver. Oh, monsieur le fusil de chasse, parfait. Mais non, je t'ai pas demandé de sauter! Fusée éclairante. Ok, il y a un Bobby solitaire qui m'a attaqué comme ça. Ah, il n'était pas solitaire!
peut-être dû prendre les munitions après avoir tué ces deux bobies là. Je savais pas qu'ils allaient pop aussi. Quelle idée de m'attaquer comme ça. J'ai un pistolet. Pont ferroviaire. Très bien, très bien. Oh, ça pue le Bobby, ça. Et sinon, tu veux bien me laisser passer, tuyau? Putain. Pousse le passage. Les ombres qu'ils pourchassaient ne cessaient de gagner en puissance. Et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. On va pas passer par là. Je me fais attaquer par des objets. Aïe. Aïe. Un truc là-bas. Je me fais attaquer par des objets maintenant. N'importe quoi. Toi, elle est quelle heure? 17h. C'est bon. Peut-être le temps de finir l'épisode. Autant je préfère à la rigueur les bobbies. Parce que bon, les objets, voilà quoi. Oh la vilaine brouette. Oh la vilaine brouette. Ça, je peux pas leur tirer dessus aux objets, je peux juste les. Je peux tirer là-dessus. Oh, oh putain. Ah, j'aurais dû faire ça. Manuscrit. Je lui claquai carrément la porte au nez. Il m'implora d'ouvrir la porte. Incroyablement, cet imbécile pensait vraiment que je lui obéirais. Je n'avais plus aucune pitié. Pas de culpabilité non plus, pas pour lui. Je pris un moment pour savourer le hurlement. Je parie que je souriais. Je n'eus le temps que de ça. L'ombre noire était à l'intérieur du chalet avec moi. L'ombre noire. L'ombre du Mordor noir. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une vraie source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés qui avaient... Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur, le protagoniste encore moins. C'est ce qui les rend si palpitantes. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer, et elles approchaient. Ouais. Point de contrôle. Ah ! La lampe torche renforcée ! Oh. Ouais. Lampe torche de niveau 2, acquis. Ça, c'est cool. Lampe torche renforcée. Génial. Je vais me faire attaquer par des saucissons sauvages. Un truc qui brille là-bas, petit thermos de café. Pourquoi tu roules toute seule, toi? Je vais me faire attaquer par des bidons ou des conneries comme ça. Les ondes gagnent en puissance, ouais, mais pff, chier.
J'ai pas tiré sur les bidons d'explosifs. Ça peut toujours être utile. Sait-on jamais. Un petit feu à main, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Munition de fusil de chasse, cool. Pile. Revolver. Munition de revolver, je suis à fond. Je prends le fusil de chasse. Utiliser. Ok. Vous avez fait appeler police secours? Non. Pas trop, non. Toi. J'ai encore 12 balles. J'adore les voix, vous avez appelé police secours. Je sais pas faire la voix des rois. Je me lève. Ah! Mais non! C'est pas. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché deux. J'ai lâché deux flares comme ça par terre. Je me suis trompé tout. Je voulais esquiver comme ça, mais je sais pas. Je me suis trompé. J'ai plus que 8 balles. J'aimerais bien en trouver d'autres. Light chicken. Ouais, ça j'ai bien compris que je pouvais les. Je pouvais les niquer dans la lumière. Oh, des flares. Bon bah ça me rembourse les deux que j'ai utilisé. Le lithium, munitions pour revolver, je suis plein. Je vais utiliser un petit peu de revolver quand même. Je peux utiliser d'autres munitions de fusil de chasse. Il faut que je fasse ici. Il y a une télé. Oh, encore une émission secteur X, je sais pas quoi là. Sans se rendre compte qu'il ne s'agit en vérité que d'un fin vernis opaque qui dissimule un vaste univers de démons. Non, non, l'émission elle est trop flippante, ça me fait penser à X-Files. J'avais peur d'X-Files quand j'étais petit. Ah, page de manuscrit. Alors, Wake attaqué par l'ombre noire. Tellement de pages qu'il faut récupérer, c'est abusé. Les ténèbres se précipitèrent sur moi, arrachant tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirant sur mes vêtements. J'aperçus le feu à main que le ravisseur avait lâché, et je me jetai dessus alors que mes pieds quittaient le sol. Les ténèbres s'emparèrent de moi avec la force d'une tornade. Je réussis malgré tout à allumer le feu à main. Les ténèbres hurlèrent et me balancèrent au loin. Je tombai dans les eaux sombres du lac en dessous. Il flippe avec la télé dans le jeu. Oui. Télé glitch, Daymore. Édition gratuite sur Humble Bundle. D'accord. Merci. J'irai voir ça après. Ça pue le bobiz. Ah, le bulldozer. C'est bien, ça écrase ses potes. Ah,
Aïe, putain. Mais esquive, abruti. Oh, ouais, d'accord. Putain, attaqué par un bulldozer, quoi. Je vais prendre des grenades incapacitantes. Et fusée de chasse. Yep. Pas m'embêter. Oh putain, j'ai eu de la chance. Bute tes potes. Merde! Comment tu veux que je le tue? Le voyage du journaliste Alvin Derless afin d'étudier les coûts de blocage d'une communauté insulaire de la zone X n'a plus guère porté ses fruits. Oui, vas-y, vas-y, poste. Comment veux-tu que je le bute, cet enfoiré? Je peux peut-être pas le buter. Peut-être que je me dépêche d'aller là. D'aller ouvrir la grille pour me barrer. Mais non, les tonneaux là de merde. Ah putain, je l'ai pas vu lui. Aïe! Mais quoi? C'est passé quoi là? J'y arrive pas. Le fusil à pompe. Grenade. Galop. Oh putain. Laisse-moi allumer ce truc. Ah. Aïe. Je suis sauvé. Fallait juste le passer en fait, je peux pas le tuer. Ah bah si, je peux le tuer. Putain,
Putain, c'était tellement facile, j'ai galéré comme un con. J'avais vu un autre truc là-bas. Putain, elle veut pas me donner des grenades, c'est trop efficace les grenades. Utiliser un véhicule. Oula. Merci. Le soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. Charbon n'était plus loin. Il fait jour. J'irai voir le ravisseur et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Sans m'en apercevoir, je m'étais mis à croire que l'histoire du manuscrit devenait réalité. Le courant de ce récit m'entraînait de plus en plus profondément dans les eaux noires. On m'avait enlevé Alice. Barry était sûrement en prison. J'étais un fugitif pour le FBI. Le monde entier, submergé par l'ombre noire, essayait de me détruire. Tout semblait réel, mais pourtant, tout paraissait relever d'un délire. Oula. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, hein. Aïe. Et les escaliers. Alors, ça mène. Ça mène à une route avec une autre voiture. C'est un petit truc. Ah, une radio. Ici Pat Main et vous écoutez KBF FM. Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière. Mais j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur un cow-boy. Ouais, pas très stable cette voiture, dis donc. Putain, j'ai fait me vautrer. Oh, mon Dieu. C'est quoi cette conduction? Allez, avance. Allez. Changer de voiture. T'as peut-être un truc là-haut. Vous écoutez KBF FM. J'espère que cette chanson vous a plu. Alors Doc, vous parliez de la vie et de la recherche de sa moitié. Que dalle. Eh bien c'est vous qui parliez de ça. Changer de voiture, hein. Cela est un peu mieux. Ouais.
Oh, je visite. Excusez-moi. Je visite. Genre, je peux rentrer là-dedans. Non, mais tombe pas, abruti! Putain, il tombe au ralenti! Allez! Putain, c'est haut! J'espère qu'il y a quelque chose. Ah, une page de manuscrit! Pour Mott, épier l'écrivain sur le ferry avait été une déception. Son patron avait dépeint Wake comme quelqu'un d'exceptionnel, mais Mott n'avait pas été épaté. Il avait longuement regardé la femme de Wake. Qui lui avait bien plu. Mott avait songé à titiller Wake pour qu'il se batte, mais cela n'avait pas eu lieu. Cependant, il aurait l'opportunité de voir si l'écrivain en avait dans le ventre, on le lui avait promis. Ok. Je crois qu'il y a un Bobby qui a voulu se faire ma femme. Merde, c'était pas où? Ah où? Ah là là. Chouchou, bonne course. Chouchou. J'étais en avance. J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La mine était déserte. C'était un musée maintenant. Là. Un petit thermos. Lire. Même si cette zone a été peuplée très tôt, la véritable jeunesse de la ville, le Bright Falls, on s'en tape complètement. L'histoire de la mine ne m'intéresse guère. Une page de manuscrit. Une fois Nightingale partie, alors que le vent de la nuit soufflait par la fenêtre cassée du studio, Maine regarda Sarah. Le shérif détourna le regard. La voix de Maine résonnait d'une colère à peine contenue. « Ce type passe plus de temps à boire qu'à penser. J'espère que tu sais ce que tu fais, Sarah. Cet homme a l'air malade, tu peux me croire. Il veut absolument trouver Wake, et pas pour faire ami-ami. » Il veut me buter. Et pourquoi il veut me buter, ce con? Est-ce que je lui ai fait de mal? J'ai rien fait du tout, moi. Musée Montross. Ok. Je ne voulais pas sortir. Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice, et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger, je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Appelle-le. Ah. Wake, où est-ce que vous êtes? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak? C'est la grande montagne au nord d'où vous êtes. Suivez le chemin partant de la mine. Vous pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire trimballer comme vous ça. Vous voulez revoir votre femme vivante? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Allô? Allô? Ah! Je vais le tuer! Je devais me rendre à Mirror Peak. Ouais. C'était proche. Peut-être plus proche que jamais.
Je suis un peu enfermé en fait. J'ai gardé mon fusil de chasse, yes. Le lithium, je suis à fond. Ah, puis en plus des munitions de fusil de chasse. Parfait. Gauche. Page de manuscrit. Oula. Quand Thomas Zane s'amouracha de Barbara Jagger, ce fut le coup de foudre. Elle était jeune, radieuse, belle et pleine de vie. Thomas n'avait jamais été un homme très heureux et elle avait tout changé, tout simplement. Pour la première fois de sa vie, Zane se sentait bien. Chaque chose qu'elle faisait était comme une pièce de puzzle dont il n'avait jamais remarqué l'absence. Et surtout, elle faisait venir les mots avec force et netteté. Barbara Jagger était sa muse. D'accord. Il y a des munitions là-bas. Revolver. Munitions de revolver. Autant que j'utilise le revolver, hein, j'ai des munitions. Fini ici! Je me fais attaquer par des trucs bizarres maintenant. Je déteste les objets qui m'attaquent. Je peux pas leur tirer dessus, c'est très chiant. Grenade incapacitante, oh yes. Oh, je peux revenir en arrière. Ouais, je peux revenir en arrière, c'est bien ça. On va reprendre des munitions de... Derrière. Oh putain, c'est fermé. Fuck. Bon bah je pourrais pas reprendre des munitions. Faut que je fasse avec. Sauf qu'il n'y a pas moyen de... Ah non. Il n'y a pas un truc qui est brillé là-bas. Bon, oh, j'ai halluciné. Je passe par où là? Truc là-dedans là. Il a envie de me suicider le truc. Je suis obligé de passer par au-dessus. J'ai vu les je l'ai vu. Je peux pas le péter en plus. Si je mettais un flair.
Peut-être que... Oh, ça ne marche pas. On a pas le choix, hein, grimpe. Ouvrir. Ah oui, bien sûr. Je t'ai pas demandé de le lancer à l'extérieur, abruti. Aïe, putain, je peux pas. Saloperie de poubelle. Ça, j'ai encore 14 flares. C'est pas vrai. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le seul moyen d'atteindre le versant était de traverser le bâtiment. J'allais devoir éviter de me faire électrocuter. Attends, ça veut dire que je peux pas passer. Couper le courant. C'est très pratique avec une voiture de tuer les gobies. Surtout avec cette voiture qui est... Enfin, putain de... Un putain de rayon lumineux. C'est vraiment cool. J'espère que je vais la garder. Par contre, elle fume beaucoup. Hein. Contrôle. Attends. Ramasser des lance-fusées. Oh yes! Munition pour lance-fusée. J'ai deux lance-fusées. À mon avis, ça veut dire qu'il va y avoir un gros bobby éteindra. Ah, comme ça, je peux passer tranquille. Bon, par contre, il n'y a plus de lumière nulle part. Ça, ça fait chier. Je tue les objets en priorité. Déjà tué deux. Hop là, et deux, trois. Trop pratique la voiture, hein, honnêtement. Sont les autres. Deux là-bas. Il n'y a plus d'objets. Mais je crois qu'il n'y a plus de bobby d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais. On va faire un petit tour comme ça pour voir.
Y a plus de Bobby, y a plus d'objets. Je peux passer tranquillou du coup. Enfin tranquillou. Entre guillemets. Voilà, nickel. Y'a quelqu'un? J'ai un fusil de chasse. Allô? Putain, fuck, il m'a fait peur ce con. Rééquiper des fleurs plutôt, des piles. Je suis à fond. Non, je veux les munitions de flammes. Ah, je suis plein aussi, d'accord. Je préfère la carabine que le fusil de chasse. Hein. Re-Angel, une poubelle possédée. Tout est possédé dans le jeu. Ouais, ouais, c'est l'ombre, elle possède absolument tout. Objets humains, objets humains, animaux peut-être aussi, je n'ai pas encore vu. Bah si, si, des corbeaux. Oh, le double kill. Il est où l'autre? Ah putain. J'entendais pas. J'entendais pas et j'aime pas les pas. Je fais un certain jeu. Je fais aussi moi aussi, putain. Peut-être parce qu'ils aient pas à quoi jouer. Ah là là. Tu fais la technique, tu dis que tu vas faire un jeu, mais t'en fais un autre. Tu dis que tu vas faire un jeu que tu vas jamais faire en fait. Et voilà, comme ça c'est réglé. tu verras si, si il fait vraiment. Il fait des Minecraft, je pense. Alors qu'il était sur le choc, il finit sur Borderlands. C'est... Regarde, je vois le délire du lobby. Follow. Ah ouais, follow, 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 follow. Ah, attends, est-ce que je prends un message? Ah, il y a une page de manuscrit. Certains possédés conservaient des échos de leur ancien moi, mais ce n'étaient que les dernières convulsions d'un mort. Il ne restait d'eux qu'une coquille vide, remplie d'ombre. Dans la plupart des cas, ces marionnettes suffisaient aux manigances de l'ombre noire. Toutefois, pour l'émission plus élaborée, comme pour l'écrivain, c'était différent. Elle avait besoin de son esprit. Plutôt que de l'engloutir entièrement, elle ne fit que l'envoûter. Non, mais je te comprends, Angel. C'est vrai que c'est chiant. Que veux-tu y faire? Bon, je m'en dis, Doudou, c'est pas le moment. Doudou, bot qui s'y met. Enfin, je change les messages d'ailleurs.
sans le baston. Ah, ah qui... Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que l'arbre allait me tomber sur la gueule. Vas-y, ouvre. Utilisez. Ok, ça vous les grille. Je crois que ça fait péter un générateur. Elle va y voir les bobbies, bien évidemment, j'en suis sûr et certain. Ouais, bon, t'inquiète pas, on fera du Minecraft quand même. T'en fais pas. Les grenades incapacitantes ne pouvaient appartenir à une compagnie d'électricité. Si je vais par là, il y a un truc qui... J'ai cru voir un truc briller et tout, et... En fin de compte, non, pas du tout. Je fais genre, je tombe, mais doucement, ouais, j'ai l'impression que c'est l'ombre, en fait, qui a retenu le... Voilà, c'est fait. Oh, je peux passer par ici? Non, je peux pas. Je pense pas, du moins. Oh, je t'ai pas vu, toi, là-bas? J'attends que ma pile se recharge toute seule, hein, parce que j'ai claqué deux piles juste pour trois bobines. Oh putain, y'a un gros. What? Putain, je l'avais pas vu lui. Ah putain, laisse-moi tranquille. Là-haut là, fait chier. Esquive. Putain, il y en a encore un sur la gauche. Esquive. Cacahuètes là. Voilà, il y en a encore un, j'en ai vu un passer. Putain, j'ai plus que 13 munitions déjà. J'en ai encore vu un passer, je suis pas fou, hein. Ah! C'est un gros. Putain, j'ai déjà claqué 6 piles. Mon dieu.
Ah, une page de manuscrit. Je ne suis pas seul dans les bois. Oh. 7h41. Bientôt fini le chapitre, je pense. Je regardais à travers les barreaux de la cellule. Barry se tenait derrière moi, vacillant sur ses jambes, l'air aussi malade que moi. L'agent Nightingale se tenait de l'autre côté des barreaux, avec le shérif Breaker. Nightingale avait des pages de manuscrits à la main. Il semblait jubilé, l'air dément. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. What? Tout est là, toutes les preuves, y compris un complot visant à assassiner un agent fédéral. What? Pourquoi il m'appelle par des noms différents, le Nightingale, là? Je comprends plus rien. Ah, il est très jeune. J'allais par là, j'avais un coffre. Exact. Petite flèche. La bobies, hein. Ah, j'aime pas ce genre d'endroit. Tout sombre et tout. Que dalle. Grenade incapacitante. Oh yes! Y'a pas autre chose? Just no one in the dark. Voilà. Oh putain. Oh, j'ai plus qu'une balle de revolver. Je suis dans la merde. Bon, j'ai encore 7 balles de fusil de chasse. Et 2 balles de pistolet à fusée. À fusée éclairante. Bon, ça a pris, hein. Ah, mais j'arrive vers un checkpoint. Pas tomber ici parce que genre il tombe de 2 mètres, il meurt. Ah, il doit y avoir des bastos là-bas. Et un point de contrôle surtout. Ah, donne-moi des balles, ouais. Génial. Fusil de chasse, fusil de chasse, pile. Ah, oh, génial, putain, là je me suis refait. 25 balles de revolver, 15 balles de fusil de chasse. Génial. Là je suis blindé. Faire la guérilla. Je n'avais pas de véritable plan. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue et je le ferais parler. Ouh, fusil à pompe. 21 balles de fusil à pompe. On va prendre le fusil à pompe. Direct. Au pire, je sais que j'aurai un fusil de chasse. On passe ou à droite ou à gauche? Attends, allume-toi les miaou. Putain, ça m'a piqué les yeux. Pierre, je sais que derrière j'ai un fusil de chasse. Toujours intéressant à savoir. Ça, je vais user une balle de fusil à pompe. Putain, je vois plus rien. J'ai lâché une grenade, je crois. Des trucs là-dedans.
Oh putain de merde. Ça pour un thermos de café. Ah, des balles de fusil de chasse. Munitions pour lance-fusée, parfait. Ah bah en fin de compte, non, c'était pas que pour... balles pour deux bobies, c'est bien ça. Je me retrouve avec 4 munitions de... Ok, c'est parfait ça. Putain. Venez, venez. Défonce. Je pense que je vais aller récupérer mon fusil de chasse là. J'ai plus que 6 balles de fusil à pompe. Ça va peut-être une bonne idée. J'attends qu'il y ait d'autres bobies. Je pense pas qu'ils reviennent à l'infini. Hein. Allume cette putain de lumière. Oh le monde. Esquive, abruti. J'ai plus de munitions de fusil à pompe. Je vais aller rechercher mon fusil de chasse. Je vais y aller vite fait. Normalement, devrait pas y avoir de bobby, je les ai tous tués. J'espère. C'était pas très loin. Ah, c'était juste au niveau du camion. Ah, avec 2 balles dedans. Bah quoi, je l'ai lâché avec 12 balles, je crois. C'est un peu con ça. Ah, c'est juste qu'ils veulent pas que... Okay. Ils veulent vraiment me faire galérer avec les munitions. C'est pas... On va se contenter de 15 balles de... Oh, de toute façon, j'ai 4 munitions dans ce fusée. Je suis bien. Hein. J'ai encore des grenades aussi. J'ai 7 grenades. Je m'en sors plutôt vraiment excellemment bien. Ça se dit pas, mais bon. Un point de contrôle. Ok. L'ombre noire me précédait, avançant dans la même direction que moi. Une sensation glaciale me nouait l'estomac. L'ombre pourchassait-elle Alice. Le travail de nuit peut provoquer le cancer.
Oh putain, un gros Bobby. Regarde, le travail de nuit et provoque ta mort, salopard. Pile de lithium. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de la lumière. Ça va me remettre un petit peu de vie. C'est cool. Un petit point de contrôle en plus. J'ai toujours pas plus de munitions par contre, hein. J'aime pas trop ça. Je vais monter. J'en ai vu. Enfin, une vue d'ensemble, entre guillemets. Ouais. C'est vraiment très vite fait la vue d'ensemble. Hein. Y'a rien à gauche. L'endroit était désert. Une ville fantôme depuis des dizaines d'années, voire une centaine. Qu'est-ce que c'est? Mais arrêtez de m'envoyer des objets. Ah non! Il va me lancer des voitures maintenant! Meurs voiture! N'importe quoi. Je peux rentrer dans ce bâtiment? Peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Comment je rentre? Y'a pas de porte? Je peux peut-être pas y rentrer finalement. Ah si, y'a une porte mais elle est barricadée. Okay. Ah, page de manuscrit. Je vais la louper. Les choses n'étaient jamais aussi simples dans la réalité. Oui, Angel. J'avais souhaité que mon angoisse de la page blanche ait une raison précise, une chose à affronter, une chose à éliminer. Ce n'était pas le cas. J'étais rempli de doutes. Je n'étais pas comme le héros de mes livres. Alex Cazet traçait toujours son chemin avec détermination. Il n'oubliait jamais l'objectif qu'il poursuivait. Même maintenant, j'étais furieux contre moi, contre Alice, contre Barry. Je tâtonnais et je n'avais pas de plan. Tant de Minecraft, t'inquiète, pas de soucis. Panis souci. Ce soir, c'était pas trop crevé. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. On verra si je suis là, je suis là, si je suis pas là-bas, je serai pas là. Dans la logique. Y'a pas un bâtiment que je peux explorer là, bon sang. Toutes les portes sont barricadées. Des piles. Je m'en tape, je suis plein. Thermos de café, bon, je m'en tape aussi, mais c'est toujours bon à récupérer. Je manque de munitions et en plus j'entends des espèces de grognements. J'ai pas envie de me faire attaquer, j'ai pas cette balle. Là-dedans, peut-être. Dis-moi qu'il y a des balles, dis-moi qu'il y a des balles, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ok, pas de soucis. Bon, on verra ça de toute façon. T'inquiète. T'inquiète, papiette. Oh, what? Ah oui, bien sûr. La
attaquez-moi avec un million de trucs. Et avec deux. J'attends que ma pile elle se recharge un peu, parce que si je me fais attaquer par des objets vilains. Vilains objets. Juste, faudrait que l'épisode il se finisse là, ce serait bien parce que. Oh, encore. On fout, vous pouvez pas passer à travers le poteau. Ah, celui-là je voulais. Maintenant. Hop là. Il y a encore un truc qui s'est barré là-bas, je crois. Il est où? Bon, apparemment, il s'est suicidé. Un objet qui se suicide. C'est mignon. Le jeu temporaire. Le temps que j'ai les sous pour me choper. Oh, t'inquiète, pas de soucis. C'est un peu plus chiant du coup avec cette version à régler quoi. C'est moi. Mais au final ouais, c'était bien un problème de Java Java 8 que Forge supporte pas. Donc forcément bon, t'avais le jeu de base et tout, mais le jeu de base. Bon, c'est vrai quand t'as jamais joué au jeu, c'est toujours sympa, mais avec les mods et tout que j'ai rajouté, c'est vraiment tip top. Ça donne beaucoup plus de gameplay, beaucoup plus de. De contenu. Aïe. Oh putain. J'ai pris cher. Un boss objet. Putain, j'ai fait ma limite one shot quoi. Oh putain. Voilà. J'attends que ma pile se recharge un peu. Tonnerre mécanique. Au niveau potable. Je suis une bouse à ce jeu. Ouais, mais ça va venir, t'inquiète. Une fois que tu connais les crafts et tout, faire des petites constructions, des machins, et puis faire des aventures aussi. C'est sympa de faire des aventures. Puis bon, avec le contenu que j'ai rajouté, il y a de quoi faire en aventure. Il y a vraiment de quoi faire. Si t'accroches. Ok, j'ai récupéré quoi? Une clé. Ok, si t'accroches bien, t'as des centaines d'heures de jeu dessus, hein. Ça c'est clair. Ouvrir. Personne là-dedans. Pas des trucs à récupérer. Munitions lance-fusée. Putain, je suis blindé, munitions lance-fusée là. Je sais pas faire. Ah mais oui, munitions. Putain, ça m'a fait peur. De l'écriture, tout m'est pénible. Je me sens mal. J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Thomas Zen. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai réussi à lire quelques passages. C'est un poète très talentueux. Il parle de muses et de créateurs, faisant jaillir des choses fabuleuses d'un lac magique, utilisant son pouvoir pour modeler le monde. Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine. Zen écrit à propos de lui, de sa fiancée possédée par une ombre noire, de sa peur grandissante du lac. Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine et au rôle d'une créature lovecraftienne. Je suis retourné à l'étage. Je vais intégrer ces éléments à mon histoire. Ils sonnent vrais. Ils correspondent. Vous voyez des objets dérangés volés. Vous êtes dessus. C'est normal, vous êtes pas fou, c'est Alan Wake.
De faire une baraque aussi cool que la vôtre. Ah, t'as de quoi faire, hein? Avec les trucs qu'il y a. C'est une baraque dans les arbres, une baraque de psychopathe. Tu peux même carrément te faire ta station spatiale. Dans l'espace, oui. Bah, c'est très space. Faut le regarder depuis le début. Et je pense qu'il faut le finir aussi pour comprendre au final la finalité de la chose. Oh, une carabine. Ça, c'est pété, la carabine. Combien de munitions? 11 munitions de carabine. À mon avis, je vais devoir me taper un boss. J'espère que ça va être la fin, parce que moi, faut que j'y aille quand même. Encore des arbres qui tombent. Poste d'observation, j'y suis au poste d'observation. Ah, les tâches. Il y a encore des tâches. Le ravisseur m'avait envoyé un SMS. Le message était bourré de fautes d'orthographe et d'insultes. Il me disait de faire vite. Ah mais attends, j'ai trouvé des tâches jaunes, donc ça veut dire qu'il y a un coffre dans le coin. Ouais, elle est là, tiens. Une fois que c'est pas dans une caverne dans le noir. Oh putain, munitions de lance-fusée. Cette munition de lance-fusée. J'ai de quoi faire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de munitions de. Munitions d'armes à feu, mais les lance-fusées là. C'est cool. On va se dépêcher un peu. Allez, go, bico. Go pour ta vie. Enfin, pour la vie de ta femme plutôt. Oh non, pas des oiseaux. Trop chier les oiseaux, ils sont trop galères. Je vais rester ici, je vais essayer de les. Je vais pas les viser parce que quand je les vise, ils se barrent. Putain, je peux pas les buter. On va essayer de passer très vite là. Hop là, ça c'est fait. J'ai une nuée de piaf de moins. Ça va passer très vite ici. Allez. Yes. Et merde. Hop là, c'est bon. Ils sont tués. Ils vont pas venir, je pense. Ok. Si je peux en buter quelques-uns dans le feutré comme ça, ils vont finir par mourir. Merde, j'ai plus de...